Le pack a plusieurs modules de thématiques, en commençant par la question de management et la question de gestion de réunion, comment conduire la réunion, comment gérer son personnel qui est sous soi et comment rédiger un peu tout ce qui est document administratif et le dernier point, comment gérer les conflits de façon transversale, c'est-à-dire du niveau N, N-1 ou N1 et N+1. Quand on parle de management, on parle de l'engagement, on parle de la coopération. Ici, le management dont on a parlé, c'est le management donc professionnel qui permet de gérer les ressources humaines, qui permet donc de gérer donc le personnel au niveau de la direction. Le coaching, ça a été tout un processus, c'est-à-dire c'est un exercice où le consultant nous a accompagnés pratiquement sur un an. Avec le coaching, on est plus sensibilisé sur comment il faut procéder, comment être à l'écoute, comment discuter, comment apporter quelqu'un, comment le mettre en confiance que ce n'est pas un contrôle ou une supervision et comme nous avons l'habitude, mais c'est un accompagnement pour l'amélioration de l'autre. Avec cette formation, j'ai dû organiser mon personnel comme ceci. D'abord, il y a les réunions hebdomadaires le lundi, d'abord au niveau des services. Les services, après, les chefs de service se retrouvent avec le directeur pour faire le point et planifier la semaine. Puisque tous les collaborateurs ne sont pas au bureau avec moi, et pour savoir comment ça va, est-ce qu'à la maison ça s'est bien passé, et ce matin, est-ce qu'on est prêt pour travailler, est-ce qu'il y a un problème, si quelqu'un était malade par exemple, bon, il s'enquérit de ces problèmes et ça fait que la barrière est brisée. L'hiérarchie existe, mais il n'y a plus de barrière. Spécifiquement, cela m'a permis de savoir gérer mon timing, le temps de travail et aussi surtout le personnel que j'ai sous ma charge. Parce que le directeur ne doit pas être seulement un manager, il doit être un manager coach qui doit accompagner l'ensemble du personnel à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Vous confiez des tâches à des collaborateurs et ils n'ont pas encore réagi. La manière de pouvoir les accompagner à ce que vous autres vous ayez le nécessaire dont vous avez besoin pour répondre parce que les résultats du service me sont imputables et non aux collaborateurs. Aujourd'hui, on a les TDA qui sortent rapidement et bien fait. Et cela a permis aussi d'améliorer nos prestations de services et de gérer aussi les conflits interpersonnels. Ça fait que dans nos réactions, dans nos accompagnements, dans nos suivis, nous tenons compte de l'individu et nous faisons comprendre à l'individu que c'est pour son amélioration, c'est pour savoir un peu plus, et c'est pour être lui-même sur le plan professionnel. Quand il y a un problème, je mets tout le monde en face. Je ne traite pas individuellement, j'écoute tout le monde et chacun trouve la solution, on trouve le juste milieu et il y a la paix. Ça a permis d'internaliser les modules, les thématiques à chaque moment, de l'implémenter au niveau réel et après de réajuster, de dire ce qui ne va pas et de corriger. Contrôler le travail qui se fait. Quand on dépose des rapports, qu'on puisse retourner les observations que nous faisons dans les formes requises par le grand maître qui veut torpiller l'autre, mais en lui montrant qu'on pouvait mieux faire, voilà tel aspect, et demander son avis par rapport à ça. Voilà ce que je propose. Est-ce que tu penses que ça devrait aller ou il y a quelques problèmes pour la mise en application de ce que j'ai dit? Donc il y a un échange franc entre le supérieur hiérarchique et celui qui vient après. Ça a permis quand même de se comprendre. Lorsque le directeur parle, les autres aussi l'écoutent. Et quand vous êtes patron et que vous allez vers les autres, ils se disent « Ah, celui-là, il est différent ». Et ça fait que s'il a un problème qui l'empêche de faire son travail,
il le dit tout de suite. Mon service s'occupe de tout ce qui est programmation, c'est-à-dire depuis le budget jusqu'aux programmations hebdomadaires. Et cela a permis de commencer par mieux circonscrire les thématiques à passer au cours des réunions et à rester dans le temps qu'on a prévu pour le temps pendant lequel la réunion devrait durer. Dès que nous allons en mission, il y a une restitution automatique que nous demandons à tous ceux qui partent pour partager d'informations avec tous ceux qui sont restés pour qu'on sache tout ce qu'on brasse dans la maison, par exemple. Et là, nous avons institué tous les vendredis de fin du mois qu'on essaye de partager avec ceux qui ne sont pas allés. Parce que, bon, on se dit, ceux qui vont, c'est pour représenter la maison. Donc, on revient dire, voilà ce qu'on a appris là-bas et ça permet aux uns et aux autres d'avoir les notions sans être à la formation. Quand je donne rendez-vous à quelqu'un ou bien quand on me donne rendez-vous, et je demande à la personne est-ce que c'est l'heure vraie. Quand la personne me dit c'est l'heure vraie, j'y mets et je dis bon, la séance que nous voudrions faire va durer, ça va nous prendre combien de temps? Et on se situe. Même moi, même pour conduire mes réunions à plusieurs instances, je dis bon, cette séance va durer tel temps et on fait l'effort d'y rester. Nous suivons, mais pas de façon formelle. Pas de notation, dit bon, il a évolué de A à B, il a évolué de B à C. Ça reste à concrétiser. C'est une insuffisance que nous avons et nous pensons que nous allons réfléchir dans ce sens pour qu'on puisse mesurer en fait cette acquisition. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est la gestion du temps du consultant et de nous, les fonctionnaires. La différence entre les PTF, les partenaires techniques financiers et l'État, nous autres, par exemple, le programme de la semaine, notre propre programme, on connaît. Mais les sollicitations externes du ministère, on ne sait pas. Donc d'office, comme l'administration, c'est la soumission, quand tu reçois une instruction du haut, tu dois tout suspendre et faire. Or, le coaching, on a élaboré le timing depuis des mois. Et la consultante devrait venir rigoureusement pendant ces périodes. Donc des fois qu'elle vient, et le groupe qu'il devrait trouver, certains sont en mission, bien certains sont ailleurs, mais d'une manière ou d'une autre, on a dû gérer. Ce qu'il faut faire pour améliorer, c'est que bien qu'on fasse une programmation à la longue, il faudrait qu'on soit très très flexible dans ce calendrier. Sinon ça va flotter. Et si vous parcourez les quatre DDAEP, c'est-à-dire Mono, Koufo, à Takura Donga, ils vous diront la même chose, que ça n'a pas été facile avant qu'avec Mme Villon, on puisse finir ce processus. C'est très important dans la vie d'un cadre et je souhaiterais vivement que cela continue. Ou bien, autre chose qui va nous permettre d'acquérir plus de compétences pour gérer et le personnel pour gérer nos directions afin d'atteindre les objectifs à nous fixer par le gouvernement. Le PAC était utile. Hein. Et si, comme c'est un processus, et le coaching, on ne finit jamais d'apprendre, s'il peut y avoir d'autres PAC dans ce sens, et ça serait vraiment les bienvenus.